Matthieu. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10. Ah, il y a aussi les enfants de Pasteur Robert qui étaient avec nous en vacances. Ils vont rentrer ce dimanche. Ils nous ont aidés. Aussi à la musique ici, que Dieu le bénisse. Donc, je prends Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 10. 5 à 10. J'ai lu l'écriture. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint des paralysies et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je les guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Merci Seigneur amen. Jésus, alléluia. Soyons le Seigneur. Amen, amen. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'occasion, Père, de lire ta parole. Ta Bible dit, ceux qui le lisent sont bénis, et ceux qui l'écoutent sont aussi bénis. Merci, c'est ta parole, Père éternel. Puisse-t-il accomplir encore ce matin pour nous, pour chacun de tes enfants. Et que tu prennes ce matin, Seigneur, la prééminence de toutes nos pensées, de tout ce que nous pouvons y avoir. Et que tout soit sous ton contrôle. Et que le Saint-Esprit soit le seul maître en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que vous assure. Bénisse. Et salut mon frère, docteur Nico. Ça va, Mounia? Ebola, ça va? Ça a du bruit quand même. Hein? Ah, c'est notre bien-aimé qui travaille avec l'équipe de Mouyembe. Maintenant c'est Mouyembe. On l'a changé. Ok, mais nous croyons que Dieu fera quelque chose pour ses enfants. Parce que, bon, non, je n'en fais pas dedans. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Alors, vous savez que, bon, pour ceux qui étaient là le vendredi, on parlait un peu du test final. Nous avons vu que quand Dieu appelle un homme, il appelle une femme. Amen. Amen. Peu importe qui il est, peu importe son rang social, donc, si c'est Dieu qui l'appelle, cet homme, Dieu l'amène d'abord dans des tests et des épreuves. Dites amen à ça. Amen. Bon, la question qu'on peut se poser, on peut dire, mais Dieu qui connaît toutes les choses, pourquoi Dieu nous fait passer par des épreuves? Pourquoi Dieu ne nous donne pas ce que nous avons besoin une fois? Mais on doit d'abord passer dans des épreuves, dans des difficultés, dans des tests. Et nous avons compris, nous avons vu que Dieu, comme étant Dieu, il ne peut pas être ignorant de votre vie. Sinon, il ne serait pas Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous allez dire, c'est Dieu qui a appelé Abraham. Il lui a dit, quitte ton pays et va dans le pays que moi je t'enverrai. Dieu savait tout ce qui pouvait se passer sur son chemin. Dites amen à ça. Il savait cela. Mais Dieu va lui amener
à traverser tous ses efforts. C'est-à-dire Dieu pouvait le prendre directement de son pays et le mettre dans le pays où il voulait qu'il soit. Il t'amène à ça. Mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut que chacun de nous expérimente, Amen, puisse avoir une expérience avec lui. Amen. Que la foi, que chacun de nous, que cela puisse aider à l'agrandissement ou bien à la de fortifier votre foi. Amen. Ça, c'est... Nous n'avons pas tous la même foi. Mm-hmm. Vous savez cela? Oui. Parce que Jésus a dit, il y a des ceux qui ont une foi comme ça. Ah, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il y a les autres qui ont une foi comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais des épreuves, des tests que Dieu met sur notre chemin, c'est toujours pour notre bien, pour nous permettre d'atteindre le niveau que lui il a prévu pour toi. Amen. Dieu ne veut pas former des oisifs, de paresseux. Non. Dieu veut que chacun puisse travailler. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il ne veut pas la vie facile. Non. Vous devez mériter, en fait, la couronne. Vous savez ça? Amen. La couronne, on la mérite. On ne la donne pas comme ça. Non. Il faut courir pour avoir, enfin, la couronne. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Et la vie chrétienne, frère, c'est vrai, vous allez dire, mais il a payé le prix. Oui, il a payé le prix. Mais nous devons passer le chemin que lui, il a passé. Amen. Amen. Nous devons passer par où il est passé. Nous avons vu que Abraham, malgré que c'est Dieu qui lui a appelé, frère Balaam nous montre qu'il fallait qu'il soit d'abord testé, éprouvé. Dites amen à ça. Pourquoi? Mais pour fortifier sa foi. Pour qu'il arrive à dire que non, il y a un Dieu qui existe. Amen. C'est Dieu qui a fait que je puisse arriver à ce lieu-là. Amen. Amen. Il pouvait lui dire toutes ces choses ici, mais il fallait. Et frère madame dit, il ne vous teste pas une foi. Amen. C'est plusieurs fois. Vous allez vous demander, mais pourquoi? Hein? Il y a des gens qui ne prient même pas Dieu, mais qui mène une vie paisible. Vous ne savez pas ce qu'ils endurent dans leur cœur. Ne les enviez pas. Amen. Ça, amen. Amen. Ne les enviez pas. Parce que Salomon un jour s'est demandé, il dit, mais j'ai vu des méchants, n'est-ce pas, progresser dans leur vie. Avoir vraiment une vie aisée pendant que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de courir derrière des morceaux de pain. Mais Dieu lui a posé seulement une seule question. Il lui a dit, avez-vous déjà remarqué sa fin? Amen. Dit amen à ça. Amen, amen, amen. Avez-vous déjà remarqué sa fin? Comment il est fini? Comment ils sont finis? Peu importe par où nous sommes passés, partout où nous sommes en train de passer, Dieu connaît. Et dans ces épreuves, dans ces vallées, dans ces montagnes, dans ces difficultés, lui, il est avec toi. Amen. Alors, cette jeune fille a chanté un beau cantique ici. Oui, oui. Esther. Oui. Mais Dieu, c'est, pardon. C'est tellement, c'est comme les jumelles. Je veux. Hein? Ne vous imaginez pas que Dieu peut vous abandonner. Amen. Amen. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Amen. Si vous avez l'apparence que Dieu m'a abandonné, même dans cet abandon-là, Dieu est toujours là. L'œil de Dieu est toujours sur toi. Il te suivait. Même pendant que tu étais dans le monde, l'œil de Dieu te regardait toujours. Il est Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez, il dit, mais Abraham, Dieu l'appelle, mais il devait passer par des épreuves. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais des tests. Quand Dieu vous appelle, il vous promet, avant que vous arriviez à voir la promesse, amen, Dieu va d'abord te tester. Dieu t'a donné une promesse. Je vais te donner du travail. Ne t'en fais pas. Avant que le jour où tu vas avoir le travail arrive, tu auras d'abord à passer de quoi? Des tests. Il t'amène à ça? Amen. Il va t'éprouver pour voir si tu es digne
de recevoir cette promesse-là. Amen. 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 C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il lui dit, tu auras un enfant. N'est-ce pas? Mais Abraham avait combien encore 75 ans. Amen. Amen. Et sa femme Sarah en avait 65 ans. Mais à 65 ans, une femme, elle est déjà dans une étape de ménopause. Vous savez ça? Amen. Ménopause. À 75 ans, donc 99% des hommes sont des épaves. Ah, vous ne le savez pas? Oui. Mais l'autre, Sarah, avait dit, quand Dieu lui donne la promesse que tu auras un enfant, Sarah avait dit quoi? Sarah a dit, mais non, moi je suis vieille. Amen. Amen. Je suis vieille. Comment je peux avoir un enfant à 65 ans? Il dit, même mon Seigneur, parce qu'il appelait son mari Seigneur, n'a même pas envie. Comment on peut avoir un enfant à cet âge-là? Dites amen à ça. Amen. Mais Abraham, frère Branham dit, n'a pas douté par incrédulité. Ça, c'est... Il t'amène à ça. Amen. Abraham croyait que ce que Dieu dit, cela doit s'accomplir. Amen. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait déjà des preuves. Amen. 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 Il n'était pas là où il devrait être. Mais par la promesse de Dieu, il était déjà en dehors de son village. Amen. Il savait que ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne douta pas dans son cœur de ce que Dieu lui a dit. Malgré ses symptômes, malgré son âge, mais Dieu reste Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que Dieu, il crée, il parle. Et nous avons vu que c'est par la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Que Dieu fait des choses. Il crée, parce que dans la parole, il y a une puissance. Il y a une puissance créatrice. Amen. Amen. Même dans votre parole là, ce que vous dites, c'est ce qui va vous arriver. Amen. Ça, c'est vrai. Et les gens ne savent pas ça. Amen. Un chrétien ne dit pas de n'importe quoi. Ah non, moi, je souffre. Moi, tu recevras comme toujours l'homme souffre. Parce que ta parole a une puissance. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, ne dites pas de n'importe quoi. Dites des choses vraies, amen, des choses justes. Et c'est ce qui va vous arriver. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Abraham ne douta pas. Il a crié à la parole de Dieu. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu devrait lui amener à un test final. Celui de prendre son fils et d'aller le crucifier, le tuer, de donner en sacrifice. Amen. Amen. Il n'y a pas de bénédiction sans que vous puissiez passer votre test final. Amen. Vous devez le savoir, frère. Amen. Tu dois le savoir que quand c'est Dieu qui t'a appelé, tu dois passer d'abord par ces tests-là. Amen. Et vous verrez que dans la Bible, c'est tous ces enfants de Dieu qui ont été appelés de Dieu, ils sont passés par ces chemins. Daniel devait passer par là. Vous savez ça, n'est-ce pas? Les trois Hébreux devraient passer par là. Mais c'est après ce test final qu'ils ont reçu la bénédiction d'en haut. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a fait avec eux, il le fera aussi avec toi. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Soyons seulement fidèles. Donc on doit s'attendre à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, frère, vous ne pouvez pas la comprendre selon vos pensées. Non, monsieur. Dites amen à ça. Amen. Nous devons prendre la compréhension de Dieu. Et la compréhension de Dieu, il le donne au travers de son prophète. Amen. C'est-à-dire, ce que le prophète nous dit, c'est ce que moi, je crois. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Comme un frère disait, je ne crois pas à toute la Bible. Aujourd'hui, je crois à la partie de la Bible de mon âge. Pour aujourd'hui. La Bible, c'est une parole de Dieu qui est complète. Vous dites amen à ça? Mais Dieu le fait accomplir par époque. Chaque chose a son temps. Amen. Dans mon jour ici, je dois accepter la parole de mon jour. Amen. Cela ne veut pas dire que je nie ce qui a été passé. Non. Non, non. C'était une parole pour leur âge. Amen. Quand Dieu a dit que Noël, à Noël, que la pluie va tomber,
Et bien cette écriture-là était juste. Dites amen à ça. Amen. Cela s'est accompli. C'était juste. Mais aujourd'hui, je ne m'attends pas à ce que Dieu vienne me dire que voilà, il va détruire le monde par la pluie. Non. Ce n'est pas dans mon âge. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Moi, aujourd'hui, je vois ce que le prophète a dit. Dieu a dit que le feu va descendre de quoi? Du ciel. Mais avant que le feu descende, lui, d'abord, il va venir prendre son épouse. Amen. Dites amen à ça. Amen. L'enlèvement va d'abord avoir lieu. Amen. Je me prépare pour cet événement. Amen. Chaque croyant doit se préparer pour cet événement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà comment Dieu agit dans sa parole. Il est Dieu. Mais il est Dieu du jour, de chaque jour. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je ne peux pas croire à ce qui est passé. Et pour dire que non, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, tu le mets de côté. Non. Tu ne peux pas croire le futur, ce qui se passe ce matin, tu le mets de côté. Tu es nulle part. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc je disais que chaque enfant de Dieu est appelé à passer ce test final. Et n'ayez pas peur de cela. Jamais. N'ayez pas peur des épreuves. Il t'amène à ça. Amen. Il a dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans Amen. Les mondes. Et c'est lui qui combat pour chacun de ses enfants. Amen. Nous ayons confiance à ce Dieu. Amen. Ayons confiance dans sa parole. Et Dieu nous conduira jusqu'à la victoire finale. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. N'oubliez jamais cela. Maintenant, ce matin, je ne serai pas long ce matin. C'est un petit sujet. Et j'ai pris, c'est, on va parler un peu de ces les nobles romains, c'est les centeniers, les nobles romains. Frère Badam a prêché ce message-là, parlant de cet homme, ou encore il en parle dans combat, combattant pour la foi. Amen. Alors, ces nobles romains, déjà quand on parle d'un noble, vous connaissez, selon le monde ici, un noble, c'est un homme distingué. Vous savez ça? Ici, dans l'Europe, ici, quand on, dans le temps, à l'époque du Moyen-Âge et tout cela, il y a de ces gens-là, une classe sociale qu'on appelait des nobles. Amen. Donc, des nobles sont des gens qui sont supérieurs à la moyenne des autres peuples. Ce sont des gens de classe supérieure. Ce sont des gens qui excellent. Hein? Comme des ministres, comme des sénateurs, comme on les appelle d'une manière ou d'une autre. Ce sont des gens un peu de classe supérieure, pas comme les hommes ordinaires. Et cet homme, c'était l'un de ces gens-là, de cette catégorie-là. Dites amen à ça. Maintenant, écoutez très bien ce que Branham dit ici. Il dit, c'est noble romain. Hein? Un noble, c'est-à-dire, c'est quelqu'un dont les qualités morales aussi sont grandes. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas dire que cet homme-là, on lui a attrapé dans la mafia. Cet homme-là, on lui a trouvé dans des débauches. Cet homme-là, on l'a entendu, il a fait des choses. Ce sont des hommes qui n'ont pas même pas le Saint-Esprit, mais qui ont des qualités morales supérieures. Dites amen à ça. Amen. Qui ont des qualités morales supérieures. Sont des grandes personnalités. C'est quelqu'un qui est élevé socialement. Amen. Amen. Et c'était ce genre d'homme qui est venu voir Jésus. Alléluia. Et non considéré. Dites amen à ça. Amen. Ce n'était pas un petit peuple qui vient demander quelque chose. Non. Non, non. C'était un homme élevé en dignité. Amen. C'était un homme respectable. Amen. Amen. Qui était lui-même qui commandait des centeniers. Quand on parle de centeniers à l'époque, c'est quelqu'un qui a sous son autorité au moins 100 soldats, 100 personnes. C'est lui qui les commande. C'est lui qui dirige. Donc, tout ce qu'il dit, ces subalternes doivent dire oui. On ne discute pas avec un ordre. Un soldat, nous avons des soldats, j'ai demandé aux soldats, ils vous le diront. Hein? À
à la constitution, à leur loi. Mais un soldat ne peut pas dire non à son chef. Il t'amène à ça. Mais il y a des fois, des hommes y arrivent. Et quand ils arrivent à faire cela, on l'appelle maintenant qui ? Un rebelle. Quand vous ne pouvez pas obéir à votre hiérarchie, c'est-à-dire, tu entres dans la catégorie des rebelles. Est-ce que vous dites amène à ça ? Il y a des fois ça les savoir, mais on entre dans cette catégorie-là. Parce que vous n'avez pas une écriture qui peut vous dire le contraire. Alors, cet homme ici, c'est un Romain. Quelqu'un d'élevé, socialement. Mais au paragraphe 3, écoutez ce qu'il dit ici, dans ce message. C'est un message de 1955, 21 juin. Il a prêché ceci. Au paragraphe 3 ici, il dit, j'aimerais, est-ce que vous me suivez? Amen. J'aimerais que vous observez bien son attitude. Retenez le mot attitude. Amen. Amen. Observez l'attitude de ces Romains, de ces nobles Romains. Comment il est arrivé à voir Jésus? Son attitude, il ne s'était pas approché pensant que c'était un droit. Amen. Amen. Il était quelqu'un de socialement élevé. Mais quand il vient voir Jésus, il n'a pas considéré cette demande comme étant un droit pour lui. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Comme étant un droit. N'est-ce pas? Voyez, comme étant un droit. Il dit, remarquez cela. Ainsi, il dit, je me suis senti moi-même indigne. C'était un droit. Il s'était approché, se disant qu'il n'était pas digne. Frère Balaam dit ceci, l'une des choses qui nous détruisent, nous, les hommes, qui nous rend un peu, récent dans nos situations, c'est l'orgueil de l'homme. Oh oui, amen. Ça, ça. Vous pouvez dire amen à ça. Amen. C'est l'orgueil de l'homme. Amen. Il se voit, non, moi je suis une grande personnalité. Je suis un chef, excusez-moi. Je suis un chef. Je ne peux pas, m'incliner devant ce petit homme. Jésus n'était pas un grand homme dans ce monde ici. Amen. Dites amen à ça. S'il y avait des hommes simples dans ce monde, c'était Jésus. Amen. Il n'avait rien qui pouvait montrer que cet homme. Il y a des hommes aussi, vous le voyez, il a un charisme déjà. Vous dites, non, cet homme doit être. Mais Jésus n'était pas de cette façon-là. Amen. Il fallait qu'on vous dise que c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Il était un homme simple. Dites amen à ça. Amen. Et ces Romains, quand ils approchent de Jésus, ils ne s'est pas présenté là, s'est approché là pour dire que je suis le grand de cette ville. Non, il s'est dit, il s'était approché en disant qu'il n'était pas digne. Amen. À chaque fois que tu pensais que toi tu es digne, amen, sache que depuis ces jours-là, ta place est en enfer. Amen. En bas. Il t'appelle ça. Amen. À chaque fois qu'il dit que non, moi je suis une femme digne, je n'ai jamais pensé à ça, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait ceci. Cela, devant Jésus-Christ, vous n'êtes rien. Amen. Parce que quand on cherchait qui est digne d'ouvrir, même pas d'ouvrir, de prendre ce livre-là, seulement de regarder, tu n'étais pas là. Amen. 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 Tu n'étais pas la femme. Tu n'étais pas la sœur. Peu importe quel rang social tu occupes dans ce monde, tu n'étais pas là. Là, il n'y avait personne. Ni au ciel, ni ta mère, ça, ni sur cette terre, même sous la terre. Il n'y avait pas un pape là pour dire que non, moi je suis digne. Il n'y avait pas un président de la République pour dire là, je suis digne. Il n'y avait pas, je ne sais pas, un président de ce monde, un roi de ce monde pour dire que je suis digne. Il n'y avait pas un pasteur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il n'y avait pas là un pasteur pour dire que moi je suis digne. Voilà l'attitude de cet humble Romain. Amen. Il s'est d'abord senti lui-même étant indigne. Amen. Tant que frère, tu te
sentira. Parce qu'il y a des fois, tu ne le dis pas. Mais dans toi, tu le sais que non, moi, je ne peux pas m'incliner. Moi, je ne peux pas faire ceci. Sache que Dieu t'a déjà quitté. Amen. Ou tu ne l'as jamais eu. Il n'a jamais été dans ce cœur-là. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Quand Dieu entre dans le cœur d'une personne, Dieu le rend d'abord un. Amen. On donne une acclamation au Seigneur. Dieu te rend la première des choses. Il te rendra humble. Tu deviens humble. Humble. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les gens le verront. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les gens le verront que non, cet homme ici, il est devenu humble. Il a changé. Amen. Mais des gens qui viennent, non, moi je peux. Frère Banam dit des hommes comme ça fouillés. Ils ne sauront rien faire. Selon le plan de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Moi je viendrai, moi je vais changer ceci, je vais faire ceci. Des gens comme ça, fouillez-les. Ça me revient. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est catastrophe. Mais quand vous attendez les discours de ces hommes politiques-là, moi quand je serai à la présidence, je dois faire ceci. Quand il entre là, c'est terminé. Un frère a fait remarquer, vous savez, mais non, ce sont des mensonges, ce sont des politiciens, ce sont des ces gens-là sont des menteurs. Mais vous pensez qu'un politicien peut faire autre chose que mentir? Il faut être naïf. Un politicien, son travail, c'est mentir. Il va vous tromper. Il va vous dire ceci, vous le votez demain, il change de position. Il va venir dans votre quartier voter un petit coca. Dès que vous le votez, vous ne le verrez plus jusqu'aux élections suivantes. Donc il ne faut pas être naïf. Aucun gouvernement dans ce monde ne peut faire quelque chose qui soit juste. Dites amen à ça. Amen. Sinon, vous ferez de Dieu un menteur. Amen. Aucun gouvernement, on ne peut rien s'attendre à tous ces gouvernements-là faire. Ce sont des menteurs. Parce que celui qui les dirige, celui qui possède ces choses, c'est le diable lui-même, il est un menteur depuis le commencement. Amen. Comment voulez-vous que ces agents puissent faire autrement? Tous, ils sont pareils. Ouais. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Mais frère Madame dit, regardez, je reviens ici pour dire, quand Dieu entre dans le cœur d'un homme, il te rendra d'abord un. Amen. Amen. Ah, tu peux avoir des millions dans des banques. Amen. Tu peux être un grand homme respecté dans le monde entier. Oui. Mais la simplicité, oui. Amen. Amen. L'humilité habitera cet homme. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah. L'orgueil, c'est ça qui éloigne l'homme de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. L'orgueil, c'est ça qui a éloigné le diable auprès de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, non, moi j'ai des gens qui sont à mon service. Je commande de grands hommes, des anges du monde et du ciel. Donc, pourquoi moi, on ne peut pas m'adorer comme on l'adore? Cela lui a quoi? A fait quoi? Éloigné de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il s'était approché en disant qu'il n'était pas digne. Je voudrais que vous adoptiez aussi cette attitude. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adopter cette attitude? Amen. Amen. Adopter cette attitude d'être que je ne suis pas digne. Frère, tu vas te glorifier de quoi? Qu'est-ce que tu es incapable de supporter ta femme à côté? Tu es incapable de supporter ton mari à côté? Incapable de supporter ton frère, ta sœur à côté? Et tu vas dire que moi je suis quelqu'un qui peut faire quelque chose. Amen. Les gens oublient que l'une des caractéristiques, la première caractéristique de Dieu, c'est l'amour. Amen. Et Branham dit, quand vous n'avez pas l'amour en vous, Dieu n'est pas dans votre cœur. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oh non, moi, je donne ceci aux pauvres. Je fais ceci aux pauvres. Ça n'a rien à voir avec l'amour agapao. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, sinon, Paul ne pouvait pas dire, même si je vendais ce corps, et qu'ils vont le brûler au feu. Si je n'ai pas l'amour, amen, cela ne me servira à rien. C'est pour dire que l'amour.
l'amour de Dieu, c'est pas ce que vous pensez. Oh, j'ai gardé quelqu'un, j'ai aidé quelqu'un. Ah, comparé avec ce que Dieu a fait pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Tu dois, qu'est-ce que tu peux payer? Il t'appelle ça? Quel est le prix que tu peux payer? Donner sa vie pour que moi je puisse avoir la vie. Je dois lui donner quoi? Il n'y a pas de prix à cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Il dit, voyez, il s'est présenté comme étant indigne. Il s'est dit, je suis indigne. Voyez-vous? Il dit, Branham dit, vous, voyez-vous, adoptez cette attitude. Soyez toujours un dans votre marche, dans votre vie, partout. Est-ce que vous dites amen à ça? Adoptez cette attitude. Vous ne pouvez pas venir avec une attitude arrogante. Hein? Avec une attitude arrogante et recevoir quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi il y a des fois, tu pries, Dieu ne te répond pas. Hein? Observe l'attitude que tu adoptes. Il y a des fois, tu demandes, tu ne vois pas de réponse. Observe dans quelle attitude tu approches ce Dieu-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On ne vient pas donner de commandement à Dieu. Amen. On ne vient pas commander Dieu. Non. On doit venir avec simplicité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On ne peut pas, donc, comme on dit, dire Dieu, donc tu me fais ceci, tu me fais cela. Non. Soumets-toi à sa parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Observe l'attitude avec laquelle tu vas. Même il y a des fois des prières que nous allons. Dans, je vais là-bas, Seigneur, cette année ici, Dieu, cette année ici, dit Dieu, fais quelque chose pour moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Fais quelque chose pour moi. Je sais que tu es un Dieu et tu connais toutes mes épreuves. Amen. Tu connais partout où je passe. Tu sais la sincérité de mon cœur. Amen. Oh oui. Nous avons parlé de la sincérité ici. Dites amen à ça. La sincérité d'abord de votre cœur. Est-ce que tu es sincère dans ton cœur? Dites amen à ça. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Non. Impossible de tromper Dieu parce qu'il est Dieu. Sinon, on n'appellerait pas Dieu. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Vous ne pouvez pas venir avec une attitude arrogante et recevoir de Dieu quelque chose. Tu vas passer des années et des années tant que tu n'es pas humble. Tant que tu ne t'humilies pas devant Dieu, tu ne peux rien recevoir de Dieu en venant avec arrogance. Amen. Amen. Tu ne peux pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne recevez rien. Regarde, observe tes attitudes. Amen. Tu considères Dieu comme ton enfant de course. Tu prends Dieu pour dire que donc c'est comme si Dieu te doit. C'est toi qui dois à Dieu. Amen. Il t'amène à ça. C'est nous qui devrons à Dieu. Amen. Amen. Ce qu'il a déjà fait pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi. A-t-il déjà fait quelque chose? Vous ne pouvez pas donc venir avec cela. Vous devez venir étant respectueux, humble, et alors Dieu traitera avec vous. Je suis au paragraphe 3. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Vous voulez que Dieu traite avec vous, tu dois être respectueux. Amen. Nous avons parlé du respect ici. Amen. Et nous avons vu que Dieu exige le respect. Vous vous souvenez de ça? Amen. Réveillez-vous. Hein? Ne commencez pas déjà à dormir. On vient de commencer à peine 10 minutes. N'est-ce pas? Amen. Le respect, Dieu les juge. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu juge du respect pour ses enfants, pour ses serviteurs et pour tout ce que Dieu fait. Vous devez respecter cela. Amen. La parole de Dieu dit, fais quelque chose, dis cela, respectez cela. Même si tu ne comprends pas cela. Amen. Amen. Mais comme c'est la parole de Dieu, respecte ça. Amen. Dieu a humilié les hommes dans cette terre, à cause de ça, manque du respect. Dieu a ôté aux hommes même la vie de cette terre ici à cause du manque du respect. Ah. Myriam,
la petite sœur de Moïse, de Moïse, la grande sœur, prophétesse dans l'église. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Hein? Dieu n'a pas regardé. Quand il a manqué de respect à son serviteur, Dieu lui a frappé d'abord de la lèpre. Même Moïse, il est allé intercéder. Dites amen à ça. Amen. Dieu l'a guéri. Mais frère Banam dit que ça n'a pas fait longtemps, elle est morte. Dites amen à ça. Elle est morte par manque de respect. Respectez ce que Dieu fait. Aujourd'hui, les gens spéculent partout. Ah non, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Vous ne savez pas quel rapport, quelles sont les relations qu'il a avec son Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu lui a dit. Dites amen à ça. Et les gens spéculent et ils commencent à faire n'importe quelle vie. Respectez ce que Dieu fait. C'est ce que Branham est en train de dire ici. Vous devez venir étant respectueux, humble, et alors Dieu traitera avec vous. Amen. Tant que tu ne respectes pas Dieu, et respecter Dieu, vous allez dire, c'est respecter son fils, c'est respecter ses enfants. Dieu, je le vois au travers de mes frères et sœurs. Est-ce que vous dites amen? Tu parles mal à un enfant de Dieu, tu le traites de n'importe quoi, et tu vas entrer dans la chambre, tu commences à prier. Amen. Dieu te regarde, il ne traite pas avec toi. Amen. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, c'est la parole de Dieu. Dis ta ça. Si tu veux que Dieu traite avec toi, tu deviens ami avec Dieu, amen. Tu dois respecter ce que Dieu fait. Amen. Tu dois respecter ses serviteurs. Amen. Tu dois respecter ses enfants. Amen. Même ses enfants, même les petits enfants, les petits enfants. Amen. Il a dit, celui qui touche à l'un de ses petits. Il n'a même pas dit à ses grands. Il a dit à l'un de ses petits. Dis ta ça. Amen. Ses petits, pas les grands. Vous devez y respecter. Vous voulez que Dieu traite ton problème. Tu veux que Dieu puisse te respecter. Commence d'abord à respecter Dieu et ce que Dieu fait. Amen. Amen. Et ce que Dieu fait. Il n'est pas compliqué. Voyez-vous, il vous dit ce qu'il veut. Recevoir de Dieu quelque chose. Vous devez donc venir étant respectueux, humble, avec humilité. N'est-ce pas? Et alors Dieu traitera avec vous. Et alors vous obtiendrez ce que vous demandez. Amen. Voici le secret. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous voulez que Dieu réponde à vos prières. Vous voulez que vous puissiez recevoir ce que vous demandez. Commencez par être un. Ne pense pas que. Non, moi je sais lire, je connais tout. Vous ne connaissez rien du tout. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Laissez les choses aller selon le plan de Dieu. Amen. N'improvisez rien. Amen. Ne prenez pas le devant Dieu. Dieu a son temps. Il fait les choses à son temps. Parce que quand Dieu le fait, ça sera toujours parfait. Amen. Et Dieu ne vient jamais en retard. Le retard, c'est toi qui vois. Ah non, ça fait 30 ans que je ne me marie pas. Mais Dieu ne voit pas ça. Comme étant un retard. Dites amen à ça. Alors, ça fait des années que je suis au chômage. Ça fait des années que je suis sans papier. Non, Dieu a son temps. Amen. Persévérez dans la parole. Amen. Dieu agira au temps opportun. Amen. Dieu ne sera jamais en retard. Il n'a jamais été en retard. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Parce que Dieu ne regarde pas ce temps qui coule aussi. Non. Dieu n'est pas dans ceci. Amen. Dieu est éternel. Amen. Et il voit les choses comme étant telles. Dites amen à ça. Amen. Ayez seulement confiance à ce Dieu-là. La chose arrivera à son temps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez, il dit, et c'est ça l'attitude que ces Romains avaient adoptée. Jésus, voyant l'humilité de cet homme, voyant la foi qu'il avait dans sa parole, il a dit, même en Israël, n'est-ce pas? Jésus était venu d'abord pour les Juifs. C'est vrai. Vous savez cela? Amen. Il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu autant de fois que cet homme a la foi, cette fois-ci. Il avait la foi dans ce que Jésus disait. Il croyait en ça. Tu ne crois pas la parole, frère.
Mais tu veux que tu puisses, Dieu puisse te répondre. Il va te répondre comment? Parce que lui, il répond par la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Comment voulez-vous que Dieu puisse te répondre pendant que tu nies sa parole? Tu nies sa parole. Tu ne crois pas sa parole. Dieu va te répondre comment? Il n'utilise que la parole. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Toutes les victoires que nous avons, la guerre et tout ce que nous combattons sur cette terre ici, la victoire est dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et c'est Romain, Frère Branham dit qu'il a cru, il croyait à la parole que Jésus disait, il croyait que Jésus était vraiment le Messie. Il croyait ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Et il est venu avec humilité, tout humble. Il n'a pas regardé sa classe sociale. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Mais il a regardé à la parole de Dieu. Il s'est humilié devant la parole. Voilà pourquoi Jésus pouvait traiter son problème. L'attitude que vous prenez. Ici, quelque part, Frère Branham dit ceci. Votre attitude déterminera les résultats escomptés. Amen. Amen. L'attitude que vous adoptez, l'attitude que vous prenez, cela va déterminer, donnera la suite donc au résultat que vous attendez. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas venir à Dieu avec une attitude arrogante et obtenir ou recevoir de Dieu quelque chose. Voyez-vous? Et dans le message ici, les images de Christ de 1900, paragraphe 155, il dit, adoptez une attitude juste et votre guérison est possible et accomplie. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ne te fâche pas contre Dieu. Ne te fâche pas. Ah, c'est quoi que c'est le frère tel qui a fait ça? Ne dis pas, je crois que c'est cet homme-là qui a fait ça. Non, viens avec une attitude comment? Juste. C'est dans le message ici, les images de Christ. Paragraphe 155. Une attitude juste, avec humilité, avec simplicité, dans le respect, respectant les enfants de Dieu, respectant ce que Dieu fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et votre guérison est accomplie. Amen. Comment vous vous avancez vers Dieu? Quelle est l'attitude que vous adoptez pour demander quelque chose? Même dans les naturels ici, même si c'est ton père, tu peux, papa, donne-moi ça. Vous pensez que c'est une bonne attitude? Non. Parce que tu es un enfant, tu vas dire, j'ai le droit de le faire. Non. Mais il faut adopter une sorte de quoi? D'attitude. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Votre propre mère, votre propre père, tu peux parler, allez maman, fais ceci, fais cela, donne-moi ceci. Non. Même si j'ai ça, quand tu viens avec cette attitude, amen, je te donne pas. Amen. Pour te prouver que je suis le papa. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Non, on va avec révérence. Amen. Papa, s'il te plaît, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner ceci? J'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux me donner cela? Amen. Il t'amène à ça. Amen. C'est lui qui doit le désirer. Amen. C'est pas un commandement. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, monsieur. C'est toi, c'est lui qui va le décider. Mais amen, il le fait en fonction de ton attitude. Amen. Venez avec une attitude juste, polie. Il y a des impolis dans les messages. Amen. Il y a des impolis dans nos maisons. Amen. Maintenant, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux pour dire que pour que vous puissiez recevoir quelque chose de Dieu, venez avec politesse. Amen. Venez avec révérence. Venez avec une attitude juste. Amen. C'est alors que ta maladie, là, ça ne prendra pas des jours. Amen. Est-ce que bien pour guérir quelqu'un, il a besoin des jours? Non. Il n'a pas besoin de tout ça. Une seule parole suffit. Mais la preuve, c'est que nous sommes en train de voir ici. Amen. Avec ce noble romain. Amen. Donc, cet homme avait plus de foi que la plupart d'entre nous. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il a dit un seul mot de ta part. Frère, combien tu peux. Juste ça. Juste un mot de ta part, les choses changeront. Amen. Hein? Juste un mot. Le problème, c'est que personne ne croit pas.
On discute avec ce que Dieu dit. On néglige ce que Dieu dit. Dieu parle toujours dans la simplicité, amen, mon frère. Amen. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il parle toujours dans la simplicité. Amen. Il se manifeste toujours dans la simplicité. Vous êtes avec moi? Amen. Ayez donc une attitude, adoptez une attitude juste et votre guérison est possible. Amen. Voyez-vous? Et frère Madame dit dans le discernement des esprits, au paragraphe premier, il dit, voyez, votre attitude vis-à-vis de la parole que nous vous apportons déterminera votre destinée éternelle. Amen. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Votre attitude, pendant que nous sommes en train de parler, il parle de la parole que nous vous apportons. Nous apportons. La parole ne viendrait jamais par un animal. Non. Ça viendrait toujours par un homme. Et Branham dit que nous qui vous apportons cette parole ici, un jour, on va vous juger. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. On va vous juger de ce qu'on vous a apporté. Qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'on vous a enseigné? Amen. Ah, est-ce que vous ne le savez pas? Amen. Je vais vous le lire. Vous voyez? Frère Madame lit ici. Votre attitude vis-à-vis de la parole, amen, que nous vous apportons, c'est-à-dire Dieu, il est esprit. Et quand Dieu veut parler, il utilise un homme, amen, pour, amen, vous parler. Amen. Maintenant, l'attitude que vous donnez, parce que, frère Madame, il y a des fois quand nous parlons, le diable vient vous souffler aussi sur votre cœur. Ah, ça, c'est sérieux, ça. Amen. Non, moi, je ne crois pas ça. Tu ne le dis pas comme ça, mais tu le dis dans ton cœur. Mais sache qu'au ciel, ça crie. Amen. Ça souffle. Est-ce que vous savez cela? Oh. Non, moi, je ne crois pas ça. Fais ce que tu veux. Mais au jour du jugement, tu attendras cette voix-là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, frère, moi je ne crois pas à ceci. Non, ce n'est pas de cette façon. Il y a des gens qui. Le diable va. Non, non, le prophète ne l'a même pas dit comme ça. Il prend quand même le nom du prophète, il met dedans. Tu penses que c'est la volonté? Non, non. Il est en train de te séduire. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, déterminera votre destinée, quoi? Éternelle. C'est par rapport à ce que vous attendez là. Ça s'ouvre. La parole que vous attendez, que nous attendons ce matin, c'est ça qui déterminera votre destinée éternelle. Amen. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Vous pensez que c'est un hasard? Non. Nous ne sommes pas ici par hasard. Non, monsieur. Ah non. Non, monsieur. Dites amen à ça. Amen. Ah non, non, j'étais de passage, j'ai vu une pancarte là-bas, je suis entré. Dieu le savait dès avant la fondation du monde. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu le savait. Amen. C'est pas un hasard. Et nous devons profiter de tout ce que nous attendons de la parole de Dieu. Amen. Ne négligez pas parce que ceci déterminera. Ceci détermine ta destinée éternelle. Amen. Vous comprenez le mot éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Maintenant, si tu vas aller souffrir éternellement, vous pensez que c'est facile? Hein? Non. Bon, Branham explique cela. Il dit l'enfer n'est pas éternel. Non. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Amen. Non. L'enfer n'est pas éternel. Amen. Mais vous allez souffrir là-bas des années, des milliards et des milliards d'années. Pourquoi il dit que ce n'est pas éternel? Vous allez dire que c'est contraire à la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu, c'est Dieu qui l'interprète. Il dit, tout ce qui a un commencement, a quoi? A une fin. Que Dieu te bénisse. Ce sera la parole de Dieu. Amen. Vous avez commencé un jour dans cette chair. Amen. Eh bien, vous allez, amen, finir un jour dans cette chair. Amen. Ça suffit. Tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. L'enfer a été créé, c'est-à-dire que ça n'existait pas éternellement. Il n'y a que Dieu qui existe éternellement. Amen. Et Dieu, comme le diable a fait ce qu'il a fait, alors Dieu a créé l'enfer. C'est-à-dire, cela a commencé un jour. Dites amen à ça. Amen. Et comme cela a commencé, donc cela aura fin. Branham dit ça. Vous croyez au prophète? Amen. Donnons quand même une acclamation. Ce n'est pas éternel. Vous allez souffrir des années et des années. Mais un jour, on va, donc on marchera sur vos sables. Nous allons marcher dessus. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Observez ce que Frère Branham dit ici.
C'est ce que la parole de Dieu nous montre ici. Voyez-vous, votre attitude vis-à-vis de la parole, ce que vous faites de cette parole, quelle est votre attitude? Comment vous recevez cette parole? Vous pensez que c'est la parole du pasteur qui dit comme cela, ou c'est la parole de Dieu? Vous pensez que ça n'a pas d'impact dans votre vie, ou cela peut changer ta vie? Dites amen à ça. Amen. Et quand vous regardez dans le physique, frère Madame dit beaucoup échoue à cause de ça. Amen. Que Dieu bénisse. Ils ont dit, mais Moïse, lui, il ne sait même pas parler. Est-ce que Dieu vraiment peut parler au travers de Moïse? Hein? Beaucoup de gens pouvaient penser à ça. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. C'est ce qu'a pensé sa sœur. C'est ce qu'a pensé beaucoup de frères. C'est ce qu'ont pensé des gens comme de Jeannès et de Jabès. Ils ont dit, nous, des docteurs, des intellectuels, nous sommes là. Comment il peut prendre un homme qui ne parle même pas, qui ne sait même pas s'expliquer, qui ne sait pas parler? Donc, mais ils ont vu. Dieu a ouvert quoi? La terre. Savez-vous cela? Amen. Il les a tous engloutis. Oui, oui, oui. Et c'était au vu et aussi de tout le monde. Amen. Vous pensez que Dieu a changé? Non. Non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Beaucoup viennent mourir sur les bancs des églises. Au temps de rester à la maison. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voyez-vous? Votre attitude, c'est cela qui détermine votre vie, votre destinée éternelle. Amen. Et tant que prédicateur, nous jugerons la génération auquel nous avons prêché. Amen. Ah. Amen. Amen. C'est Branham qui dit. Amen. Un jour, vous passerez au tribunal. Amen. Vous entrez, vous voyez, oh, c'est André à la barre. Amen. C'est Salem là-bas. Amen. C'est béni. Oh. Mais j'étais avec lui. Amen. Hein? Mais j'étais avec lui. Là, il n'y aura pas de sentiment. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il n'y a pas de sentiment. Parce que là, c'est la parole qui règne. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous jugerons la génération auquel nous avons prêché. Amen. C'est Branham qui dit ça. Maintenant. Et je ne sais pas comment cette phrase-là a fait polémique. Oui, oui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oui. Vous avez entendu ça? Oui. Parce qu'un pasteur avait dit, vous savez, vous qui étiez de l'époque, vous qui êtes aujourd'hui, Branham est parti, ce n'est pas Branham qui va vous juger, c'est moi qui va vous juger. C'est le pasteur qui a fait polémique. Ça, c'est vrai. Mais c'est lui qui dit, frère. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Ça fait polémique. Amen, amen, amen. On dit non, non, non. Comment il sait? Vous voyez, les gens sont contre les personnes. Hein? Au lieu de regarder à la parole de Dieu, et les gens vont vite en besoin. Les gens n'examinent pas la parole de Dieu. Que Dieu bénisse, pasteur. Ma Bible dit, si tu ne sais rien, tais-toi. Amen. Ça c'est vrai. Quand les gens parlent, moi je me tais. Mais un jour, on fera grâce que je puisse. Ah, oh, mais cette écriture, c'est là. Tu vois, tu n'as pas blasphémé en faisant, condamnant les choses vite, vite. Mmh. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Juste parce que j'ai pris ce message aujourd'hui et j'ai dit, oh, mais c'est des critiques. Amen. Mais pourquoi les gens veulent crucifier des gens? Bon, c'est peut-être la façon dont les gens parlent. Hein? Hein? N'est-ce pas? Parce que quand vous le parlez aussi avec orgueil, amen. Une chose juste, mais quand vous ajoutez votre attitude charnelle, eh bien ça tue le monde. Le problème souvent, je crois que c'est ça. Parce que dans la simplicité, vous savez, j'ai dit ça, si je ne vous ai pas dit ça, personne n'en saurait. C'est vrai, pasteur. Je vous dis, vous allez sortir ici, vous allez dire, mais j'ai fait une grande déclaration ici là. Mais dans la simplicité, si je viens ici, vous dites, moi, vous savez, Moi, je viens vous juger, vous là. Mm. Quel que vous êtes là, c'est moi qui sera votre juge. Les gens vont bouder. Oh. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il y a des fois où on envoie des hommes à bouder par nos attitudes. Amen. Libre. Amen. Les gens qui se frappent la poitrine. Moi. Mais, frère, quand vous avez l'autorité, est-ce que vous avez besoin de crier? Non. C'est ça. Mais la chose que tu dis, qui dit que vous dites là, peut-être c'est juste. Mais avec quelle attitude? Comment vous le dites? Alléluia. C'est simple.
Vous dites ça, Branham dit, je vous donne la citation, dans le message, le discernement des esprits, amen. De 1960, au premier paragraphe, dans sa prière. Dites amen à ça. Amen. Il dit ceci, voyez, votre attitude vis-à-vis de la parole, que nous vous apportons déterminera votre destinée. Amen. Cette parole que vous attendez là maintenant. Déterminera votre destinée éternelle. En tant que prédicateur, celui qui prêche, qui apporte la parole, nous jugerons la génération auquel nous avons prêché. Amen. Amen. Maintenant, comment, pourquoi on peut diaboliser une personne à cause de ça? Ce n'est pas lui. C'est l'écriture. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Vous l'attendez comment? Avez vérifié? Allez vérifier dans vos messages, vous allez voir ça. Nous allons, nous qui prêchons là, aujourd'hui là, je suis en train de prêcher à Agapao Tabernacle. C'est ma génération auquel j'ai prêché. Au jour du jugement, je serai là comme juge. Amen. Que vous le vouliez ou pas. Amen. Ah. Est-ce que c'est juste? Amen. Amen. Mais pourquoi ça fait polémique? Parce que c'est tel qu'il a dit. Mauvais sentiment. Ah, je vous dis la vérité. Ça, c'est vrai. Les gens ont mis des sentiments dans la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils n'aiment pas l'homme. Parce que je n'aime pas celui-là. C'est, frère, si Amen. Vous n'aimez pas une personne, Amen. Tout ce que cet homme dira, Amen. Pour vous, ça entre là, ça sort. Amen. Un point. Il peut vous dire un très bon conseil. Mais comme vous ne l'aimez pas, ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Ça n'aura pas d'effet dans votre vie. Non. Et Branham dit cela. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Dieu, et frère Branham dit cela. Vous devrez aimer même ceux qui vous apportent la parole. Vous devrez aimer votre pasteur. Sinon, quand il y a la haine contre le pasteur, ça l'est. Mais le pasteur, quand il se met là, il va parler. Mais toi, tu n'écoutes même pas. Il dit, ah bon, assis ça. Dites amen à ça. Je vous dis, il y avait des choses qui sont dans vos cœurs. Dieu le dévoile devant vous. Amen. Vous ne pouvez jamais recevoir quelque chose du bien de votre pasteur quand vous ne l'aimez pas. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il ne sait même pas que tu ne l'aimes pas. Mais quand il dit quelque chose, il va dire quelque chose. Ta conscience, ton cœur ne va pas accepter ça. Amen. Mais pourtant, il a dit une bonne chose pour toi. Que Dieu te bénisse. C'est ça? C'est accompli cette écriture ici. Si, si. Quand vous avez déjà une pensée quelque part, ça c'est quoi la fin? Quand vous avez déjà une pensée déterminée, n'est-ce pas? Ah, c'est ça la chose. Oui. Bon, dans la prière, j'ai dit ça. Oui, oui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous sommes rassemblés ici ce matin, au Père, dans le seul but que savoir, ou plutôt d'étudier, pour connaître la volonté de Dieu et ce qu'il nous faut faire pour rendre Christ réel aux gens. Alléluia. Que ça ne soit pas, mais le rendre réel. Oh. Réel aux gens de cette génération, sachant avec certitude. Amen. Vous entendez? Amen. Avec certitude qu'au jour du jugement, nous serons confrontés avec cette génération. Et en tant que prédicateurs, nous serons des juges. Et les gens auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la parole que nous leur apportons déterminera leur destinée éternelle. Voyez? C'est pourquoi, Seigneur, à ces jours-là, nous serons des juges jugeant favorablement ou défavorablement la génération à laquelle nous avons prêché. Bon, Babé Zawa. Merci, c'est écrit. Hein? Mort sur mais parce que l'homme qui l'a dit, on ne l'aime pas. Mm. Ou l'autre face, c'est peut-être la façon de quoi? De le présenter. La regarde. Moi! Moi. Vous, frère, vous intimidez les gens. Parlez simplement. Amen. Dites simplement ce que le prophète a dit. Et l'une des attitudes des croyants, c'est la simplicité. Amen. Il y a des fois, c'est ça. L'orgueil. Dites amen à ça. Amen. C'est ça.
Mais la parole restera toujours la parole. Au jour du jugement, je serai là. Amen. Donc tu as intérêt à me mettre déjà aujourd'hui. Mais je vous dis la vérité. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui, monsieur. Vous avez intérêt aujourd'hui de croire à ce qu'on vous dit. Ce jour-là, ça se passera de cette manière. Vous venez, bon, monsieur, tu entends? Parce que tu ne peux pas nier tout ce que nous disons là. Vous pensez que c'est fini? Non. C'est toujours là. Les scientifiques, ils ont dit, ils peuvent même découvrir la voie de Jésus aujourd'hui. Amen. Mais c'est parlé depuis 2000 ans. Oui. Hein? Depuis 2000 ans, cette voie-là a disparu. Non. Au jour du jugement, vous voyez ce que vous voyez dans des bandes, dans des vidéos et tout ça. Tu peux reculer, tu peux avancer. Tout ça, ce n'est que la copie qu'il voit faire. Le diable connaît tout ça. Amen. Ce jour-là, c'était à quelle année? Oh, 2019. C'était à quelle heure? C'était déjà 14. Bah. Tu te vois comme tu te vois là, c'est la vie. Est-ce que tu vas la discuter? Non, monsieur. Tu vas discuter comment? Parce que tu vois. Amen. Tout ce que vous êtes en train de penser là, au ciel là, ça crie. Ce jour-là, tu vas écouter comment tu pensais dans ton cœur. Oui. Comment tu parlais. Comment tu insultais. Dites amen à ça. Frère, nous venons à l'église. C'est pour que vous puissiez comprendre, voir ce que Dieu, ce Dieu-là que nous disons, est réel. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Est réel. Je continue ici. Votre attitude. Je crois, attends, j'avais quelque chose ici. Je ne sais pas. Voilà. Ici, dans l'autre message ici, c'est quoi comme... Il dit, au paragraphe 27, oui. Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. C'est prêché le 25 janvier 1959. Paragraphe 21. Et je ne sais pas si au mauvais tu peux trouver ça. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de gens pensent que bon, non. Frère, aujourd'hui, moi, je suis millionnaire. Mais faites attention avec tes millions. Ça peut t'amener à l'enfer. Et Branham dit que ce n'est pas un signe. Amen. Amen. Hein? Un voleur qui s'est tapé, comme on en parle là dans nos pays en Afrique, là, qui s'est tapé des millions et des millions de vols. Hein? Il pille des caisses de l'État. Il pille tout par la corruption, par toutes ces choses-là. Vous allez dire que bon, voilà, Dieu m'a permis que je puisse devenir riche. Fais attention à ça. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit, au paragraphe 21, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Amen. Nous possédons cela. Amen. Frère Madame dit, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Contente-toi de ça. Amen. Sois en paix avec Amen. Ça. Amen. Je mange le matin, gloire à Dieu. Amen. J'ai mis un pantalon. Gloire à Dieu. Amen. J'ai mis une chemise. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dites amen à ça. Nous n'avons pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Amen. Non. Voyez, nous possédons cela. Nous n'avons pas besoin de plus grandes églises. Frère, il faut que mon église. Pourquoi? Aujourd'hui, vous attendez des pasteurs magiciens. Vous attendez des pasteurs sorciers. Parce qu'ils veulent avoir toujours des grandes églises comme tout le monde. Amen. C'est Dieu qui amène les gens à l'église. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Mais quand vous voulez avoir des foules, eh bien, ils vont chercher des magiciens. Bon, donne-moi donne-moi quelque chose pour que les gens viennent à l'église. Le féticheur va lui donner un œuf. Dans ce neuf-là, il y a un démon dedans. Il dit, tu vas aller dans ton église, là. Tu vas creuser devant l'église. Tu mets ça là-bas. Ça va pourrir. Cela va attirer de quoi?
les gens. Maintenant, mais c'est un démon qui est là. Tout le monde qui passe là, qui entre dans cette église-là, il devient automatiquement. Automatiquement. Mais les démons ne laissent pas ça. Tout ce qui, même lui-même, le pasteur, il passe par là. Tous les membres passent par là. Et les démons, quand il a besoin de quelqu'un, il prend. Il prend. C'est pourquoi vous attendez dans d'autres églises. Ah, il gère comme ça, sans rien. Il est mort comme ça. L'autre, il est mort comme ça. Et les gens ne se rendent même pas compte. Mais c'est des foules et des foules qui arrivent. Frère, nous n'en avons pas besoin d'avoir des grandes églises. Au fil de musique, vous voulez que ça devienne grand? Le problème aussi devient grand. La tête commence à gonfler comme ça. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham dit que c'est Dieu qui envoie les gens où? À l'église. Amen. Ça se. Et chacun de nous, nous savons comment je suis venu là. Si c'est Dieu qui m'a conduit, Dieu sait pourquoi Dieu m'a conduit là. L'église, on ne l'a choisi pas parce que c'est une grande église. Non, c'est faux. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. L'église, on l'a conduit, on l'a choisi par rapport à la parole qui est prêchée là. Amen. C'est, tenez-vous très bien, Branham dit, qui est l'enseignant qui vous enseigne là? Hein? L'enseignant qui vous enseigne. Vous ne pouvez pas choisir une église sans choisir le pasteur. On choisit le pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'est-ce qu'il vous enseigne? C'est ça qui déterminera. C'est ça qui déterminera votre vie éternelle. S'il vous enseigne la doctrine des témoins de Jéhovah, eh bien, vous savez où les témoins de Jéhovah iront. S'il vous enseigne le témoin de Malemba, des Mormons, eh bien, vous savez. C'est cela qui détermine votre destinée éternelle. Est-ce que ce que vous enseignez, c'est la parole de Dieu? Est-ce que vous dites amen à ça? Je reviens ici. Nous possédons, donc, nous n'avons pas besoin de plus grandes églises. Nous n'avons pas besoin de plus grosses congrégations. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel. Amen. Merci Seigneur. Hein? Amen. Pour être quoi? Spirituel. Quoi? Vous voyez? Pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilient. Mais on a commencé avec l'humilité. Tant que faire, tu resteras orgueilleux. Je vous l'ai dit la vérité, ma soeur, Dieu ne fera rien avec toi. Amen. C'est vrai. Tu peux faire tes efforts de l'homme pour dire, ah, Dieu me bénit, Dieu me bénit. Oui, mais Dieu ne traitera jamais avec toi. Amen. Tant que tu resteras dans cette attitude d'orgueilleuse, dans cette façon de voir les choses, moi je suis grand, moi je suis ceci, j'ai beaucoup de diplômes, j'ai beaucoup étudié, ça ne vous mènera jamais devant Dieu. Amen. Ça vous éloignera de Dieu. Amen. C'est un conseil d'amis. Amen. Un ça conseil c'est gratuit, ça comme Branham l'a dit. Ça vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Tant que pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu. Amen. Peu importe qu'ils soient sans le sou. Amen. Ah, voilà ceux qui ont Dieu en eux. Qu'il ait l'argent ou pas, il est toujours la même personne. Amen. Il honore son Dieu. Amen. Et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu. Et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leurs attitudes. Amen. Amen. Vous suivez avec moi? Amen. Vos attitudes, comment vous vous approchez devant Dieu? Et l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Amen. L'atmosphère dans laquelle vous vivez. Là où tu vis, c'est comment? Hein? C'est comment? C'est qui? Hein? C'est ça les atmosphères de là où vous vivez. L'environnement qui vous entoure. Quand vous êtes entouré de païens, vous pensez que vous pouvez avoir quelque chose qui venait de la part de Dieu? Parce que Dieu n'est pas dans les païens.
Amen. Dieu a besoin. Vous voulez être spirituel? Vous voulez que Dieu traite avec vous? Que Dieu réponde à votre prière? Humiliez-vous. Amen. Dites amen à ça. Humilie-toi. Humilie-toi. Sois humble. Sois humble. Vous êtes avec moi? Amen. Et les trois d'alors dans lesquels nous ils vivent. Peut-être n'aurez-vous pas même une paire de chaussures aux pieds. Hein? Peut-être que tu n'as pas grand-chose dans ta vie. Voyez-vous? Peut-être serez-vous vêtu de haillons. Mais là dans votre cœur, quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Peut-être que je n'ai même pas mangé ce matin. Amen. Peut-être que je ne sais pas demain qu'est-ce que je vais devenir. Amen. Mais que dans votre cœur, vous puissiez chanter des mélodies de qui? De Dieu. Amen. Voyez-vous? Quelque chose chantera des mélodies de Dieu. Amen. Je préférerais avoir cela que tout l'or du monde. Amen. Hein? Amen. Que tout l'or. Amen. Dans votre cœur. Amen. Frère, voyez, on ne peut donc pas affirmer que les choses, voilà, les choses naturelles soient toujours les signes de la bénédiction de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non. Non. Mais cela ne veut pas dire simplement que c'est une bénédiction de qui? Non, non, non. De Dieu. Je crois que vous comprenez le français. Amen. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si Dieu me bénit, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ainsi que c'est Dieu qui t'a béni. Les gens les plus riches aujourd'hui, ce sont des gens qui vont aller chercher à multiplier les choses selon les diables. Ils ne se cachent pas aujourd'hui. Et ces gens-là, même son argent, il ne peut pas donner, surtout aux enfants de Dieu. Avez-vous déjà remarqué ça? Tout celui qui a une source de bien qui ne vient pas de Dieu, il ne le donne jamais, pas surtout aux enfants de Dieu. Il va te dire, moi j'ai tué des gens pour avoir cet argent. Je ne dors pas la nuit. Voilà le but pourquoi il ne peut pas donner. Je ne dors pas la nuit. Il y a des autres qui font des choses impossibles. Il ne te donnera pas. Dis ta mère à ça. Il ne donne pas. Mais quand ça vient de Dieu, parce que quand Dieu bénit un parmi nous, c'est le corps qui est béni. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Quand Dieu bénit l'un de nous, c'est le corps qui est béni. Amen. C'est l'Église qui est bénie. Amen. Nous tous, nous sommes bénis. Amen. Parce que nous savons que ce que Dieu a donné, lui aussi, il va les partager. Amen. Voilà ce qui vient de Dieu. Mais le bien matériel, vous voyez, ce n'est pas toujours ça. La terre soit toujours le signe de la bénédiction de Dieu. David a parlé au Seigneur, lui disant avoir vu le Messie. Voilà la chose que je disais tout à l'heure là. Ça revient ici. Il disait, vu le méchant s'étendre comme un gros arbre verdoyant, ajoutant ceci, parcelle après parcelle. Hein? Faisant ceci, avoir tous ses affaires prospères à gauche, à droite. Et Branham dit, Dieu répond à Salomon, à David, dit, mais a-t-il déjà considéré sa femme? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez? Comme un gros arbre verdoyant. Mais Dieu lui demanda, a-t-il déjà considéré sa femme? Peu importe que nous portions de bons vêtements et que nous ayons beaucoup à manger, Amen. Ce ne sont pas ces choses qui vont dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Mathieu, il est là aujourd'hui. Hein? Il travaille. Ah, je ne sais pas même. Lui, il dit toujours, passez les habits de qui. Les choses. Hein? Les choses de la terre. Il a raison. On peut s'habiller, faire comme vous voulez. On peut avoir tout ce qu'on veut. Mais ce sont des choses de quoi? Amen. Ça va rester ici. Dieu te bénisse.
Dites amen à ça. À quoi ça sert à ne s'enorgueillir? Tout ça, c'est. Vous le laissez une semaine dans la maison, même vous l'enfermez dans la valise, quelques temps après, vous allez devenir, ça devient lambeau. Amen. Ah. Oui, pasteur. Vous savez ça? Amen. Ça, l'immunité va détruire ça. La terre est là, oui, il va atteindre ça. Même l'argent là, oh l'or. Vous savez, la Bible dit même, la terre pas terre de l'or. Ah! Des années. C'est quelque chose qu'ils ont fabriqué. Oui. Et un jour, ça finira. Amen. Mais à quoi? Pourquoi on doit s'enorgueillir faire? Ah non, non, moi je suis le plus beau de ce pays, je suis le plus riche, je suis la plus jolie, je suis ceci. Poussière. Amen. Amen. Sans valeur. Amen. Ces éléments. Allez voir à la mort, vous faites. Hein? Allez voir à la morgue. Vous dites ça. C'est celui qui disait, allez voir, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes rien. C'est pourquoi aller dans la maison de Dieu. Comme ça, tu vas réfléchir à ta propre vie. N'est-ce pas? Oh, un jour, moi aussi, donc, un jour, on va m'étendre là sans vie. Hein? Et on peut, si, on peut vous abandonner là. Oui. Les chiens vont venir te manger. Oui. N'est-ce pas? Amen. Des vers de terre. Bon, vous pensez que les vers, ceux qui détruisent l'homme, ça commence où? Qui connaît? À l'intérieur. On parle de vers. De vers de quoi? De vers. Les vers de terre sont dans la terre. Hein? Mais vous oubliez que vous êtes une montre de terre. C'est-à-dire que ce qui est là sous terre, c'est aussi dans votre corps. Amen. Vers de terre. Donc, je suis une montre de terre. À moi, il y a des vers. Ils vont commencer à me détruire. Alors, sois humble. Amen. Dites amen à ça. Sois humble, frère. Sois humble. Ça ne sert à rien l'orgueil de ces choses, de ce monde. Non, ça ne nous amènera nulle part. Les Congolais avec nous. Manzanton, manzan ceci. La raison de se mettre, j'amène avec des jus. Un homme avec des jus. Et ce sont son habit de donc, on dit, de terrible, hein, de, pour montrer aux gens que moi et ma bille, ils sont en jus. Et il vient le dernier. Ça va vous amener où? Dites amen à ça. Amen. Ça va vous amener où? Sois humble. Amen. Je parle peut-être à un frère ou à une soeur ce matin. C'est pour toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Sois humble. Humilie-toi, mon frère. Humilie-toi, ma soeur. Tu veux être élevé. Vous voulez être élevé? Commencez à quoi? À s'abaisser. Amen. C'est Dieu qui fait quoi? Qui mais ceux qui s'élèvent de même, ah, Dieu fait quoi? Les rabaisse. Et les abaisse. Amen. Dans toutes les circonstances, bien-aimés, que ce soit au travail, faites que les gens viennent et disent, bon, frère Béni, on a besoin de toi là-bas. C'est ça. Et t'amènes à ça? Amen. Ah, frère André, on a besoin de vous ici. Hein? Ah, docteur Nico, bon, on a besoin de toi, Béni, par exemple. Non, moi je sais, moi je peux faire. Moi, je peux faire. Branham dit, ces gens-là, les feront. Yeah. Amen. Parce que les gens, qui, ils observent, ils regardent, ils trouvent que tu as des qualités. Vous pouvez dire la même chose. Ils voient que vous avez des qualités. Les gens voient vos attitudes. Ils voient comment vous marchez. Ils voient. Les gens observent. Laissez les gens dire les choses sur vous. Amen. Non, moi je suis un génie, frère. Multidoctorant. Multidoctorant, frère Béni. Qu'est-ce que ça peut nous amener devant Dieu? Rien. Rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il commence par dire, frère, j'ai gradué en ceci, licencié en ceci, docteur en philosophie. Docteur en sciences naturelles, docteur en mathématiques. Bon, tout ça, maintenant, ça va vous amener où? Au jour de la mort, on peut étaler tout ça devant. Ça ne vous servira à rien.
Sois humble. Tout simplement. Il t'amène à ça? Sois humble. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Hein? Je ne dis pas ça, bien-aimé. Ne me prêtez pas des intentions. Non. Je vous dis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voyez-vous? Il dit, voyez, on ne peut donc pas affirmer que les choses naturelles soient toujours les signes de la bénédiction de Dieu. Non, monsieur. Il disant avoir vu le méchant s'étendre comme un gros arbre verdoyant. Mais Dieu lui demanda, a-t-il déjà considéré sa fin? Peu importe que nous portions de bons vêtements et que nous ayons beaucoup à manger, ce ne sont pas ces choses qui vont dans la présence de Dieu. Ce corps qui nous abrite, c'est l'intérieur. Peu importe comment il est traité. Amen, 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 amen. Peu importe comment le corps est traité, ambivifiez ça comme vous voulez. Demain, ça va changer. Amen. Ouais. À 18 ans, on n'était pas comme ça. À 18 ans, si tu regardais, on dit, oh, quel beau homme, quel bel homme. À 50 ans, Olinda, Olinda, vous avez déjà changé. Amen. Et quand ça vient, vous ne le remarquez même pas. Et je vous dis, pensez. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué? Non. Non. Vous allez vous retrouver un jour. Oh. Et puis quand vous dormez, vous mangez la même chose tous les jours. Mais demain tu sors différent. C'est vrai. Une année qui n'a pas vu la personne, le jour où tu le vois, oh, hein? Je vous dis la vérité. Ça se détériore comment? Vous voyez là, n'est-ce pas? Paix à paix. Ça détériore. Peu importe comment il est traité. J'ai ma vitamine, hein, comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Un jour, ça va tomber. Est-ce qu'on dit d'amener à ça? Parce que c'est la loi de Dieu. Ça va tomber. Voyez-vous? Il est traité, mais cette âme, voilà le plus important. Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, c'est cet état d'esprit. Voilà ce qui s'introduit dans la présence du Dieu vivant. Amen. Donnons une acclamation. De gagner le monde entier et de faire quoi? Et de perdre son âme. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et voyez-vous? Peu importe ce que vous pouvez y avoir, soyez humble. Amen. Voyez-vous? Nous considérons les choses comme allant de soi. Nous pensons que simplement parce que nous sommes une nation, c'est ce qu'Akab et tout Israël avaient fait ces jours-là. Ils avaient présumé que tout allait bien. Leur prêtre et leur prédicateur leur répétaient constamment « Tout va bien, tout va bien. » Mais il y en avait un qui lui criait contre ce qui était là. Ce qui était mal. Parce qu'il savait qu'un Dieu saint ne peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvue de sainteté. Amen, 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 amen. Amen, amen. Quel est ce Dieu-là? Hein? Vous sautez, je ne sais pas d'où vous venez dire que non, moi je crois à Dieu. Amen. Tu fais de n'importe quoi et tu dis non, je sers Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Tout va bien, non? Oh mon Dieu, mon roi. Et dis-toi, dis simplement, Seigneur, amen. Je ne suis pas digne. Amen. N'oubliez pas ça. Amen. Je ne suis pas digne. Amen. Je ne suis pas digne. C'est sa grâce qui nous fait marcher, qui nous fait vivre là. Amen. Ne pensez pas que parce que tu as bien mangé, tu roules dans une Mercedes et que tu crois que tu es au-dessus de tout. Non. Une Mercedes, ce sont les hommes qui l'ont fabriquée. Est-ce que vous savez ça? Amen. Bon, celui qui a une Mercedes, bon, je vais aller au Congo aujourd'hui. Ce jour-là, ça sera que je pense que j'y arrive. Même toi, avec la Mercedes, tu vas prendre combien de temps? Tu vas choisir quoi? Hein? On vous paye seulement la différence. Tu veux prendre l'avion ou la voiture pour arriver au Congo? La plupart d'entre nous vont choisir quoi? L'avion. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Mais si on prenait l'avion et le Saint-Esprit, tu vas choisir quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Pour vous dire que tout qui insisterait, cela, ça nous servira à rien. À rien.
Voyez-vous? Voyez, Dieu ne peut pas se satisfaire d'une religion moderniste. La modernité aujourd'hui, c'est qu'on se marie sur Internet. Vraiment. Ah. On se marie sur Internet. Des hommes qui viennent devant une femme avec une balle comme ça. Vous, frère, fils de Dieu, ne faites jamais ça. Amen. Tu veux satisfaire une femme au lieu de satisfaire Dieu. La Bible dit, les genoux là, je ne peux pas les faire à n'importe qui. Amen. Sauf à qui? Amen. 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 Devant un homme. Mais Daniel, pourquoi Daniel était dans la fosse? Amen. Qui connaît l'histoire? C'était quoi? Il a refusé de s'agenouiller devant le roi de Nabucodonosor. Amen. Et parce que Amen. Ça c'est la folie. La folie. Et il va chercher dans la rue, là où il y a des suisses de qui, pour qu'on le voit. Et quelqu'un, il a donné son téléphone à son ami pour lui filmer. Filme-moi pendant que c'est le cinéma. Amen. Hein? Ou alors ton homme là. Oh, genoux, oh, chérie. Oh. Deux jours après, il va la c'est fini. Dites amen. Faites vous, fils et filles. Et toi, tu fils, il va venir là, toi, c'est différent. Go. Il fait semblant là pour dire hey, hey, ça, c'est pour moi. Oh, menteur. Vous qui croyez le message, frère, si moi je te vois comme ça, tu es dans cette église, ton mariage je ne serai même pas. Amen. Parce qu'on vous enseigne ici la vérité. Amen. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que si il est dit, bon voilà, je t'ai apporté ça, c'est pour toi. Ce n'est pas bon. Tu vas lui permettre de s'agenouiller d'abord pour que tu puisses laisser voir ça. Et vous les hommes là des efféminés, tu vas te mettre à genoux pour une femme. Ah, vous ne savez pas ça quoi une femme. Amen. Vous ne savez pas c'est quoi une femme. Amen, amen. Une femme. Frère, madame, ici, vous ne faites pas attention. C'est ta porte de l'enfer. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Des chrétiens se marient dans la parole. Amen. Selon la parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Selon la parole de Dieu. Que dit la parole par rapport à comment je dois me marier? Je vois un homme qui vient. Je dois le tester. Je dois le tester. Amen. Une fille, je dois la tester. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Je dois savoir qu'est-ce qu'elle est. Qu'est-ce que l'homme, je dois le tester. Qu'est-ce qu'il est? Ce n'est pas le premier venant qui dit parce que. Bon, j'ai 35 ans, je ne suis pas encore marié, le premier dit. Oui, 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 oui. Vous entrez, c'est la descente. Hein? Où? Ah, c'est Branham qui dit, c'est pas moi. Amen. D'abord, à genoux. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. À genoux. Seigneur, j'ai l'âge. J'ai un petit travail que tu m'as donné. J'ai un petit endroit pour mettre cette femme. Je suis capable de. Je ne tiens même pas compte qu'elle travaille ou pas. Un homme, ce n'est pas ça. Tous les besoins de la femme, c'est qui? C'est l'homme. Parce que Seigneur, voilà. Donne-moi une femme. Donne-moi une épouse. Amen. Celle que tu as dessinée pour moi. Amen. Pas pour vous. Les soeurs, le frère regarde la beauté. Ouh, il a coupé tout ça. Il a mis l'ambition ici. Il est devenu très jeune. Il dit, ah, c'est ça la femme. Mais ça va faner. Amen. Amen. Ah, parce qu'un jour, elle était noire comme le charbon. Un jour, elle a commencé à mettre ça. Sachez qu'un jour, ça va retourner à l'époque comme ça. Amen. Et ça devient pire. Et ça devient encore pire. Et nous sommes entre nous. Hein? Amen. Et c'est pour vous. C'est pour vous aider à choisir de la bonne manière. Amen. Ça, c'est. Dites amen à ça. Amen. Peut-être la sœur là que tu trouves là, que bon, elle c'est une villageoise là. Elle vient, mais dedans, alléluia. C'est de l'or. Amen. Donnez une acclamation au Seigneur. Hein? Dedans, là, c'est là. Vous connaissez l'histoire que Branham raconte, cette cousine qui était derrière. Amen. Hein? Vous connaissez l'histoire? Amen.
The princess. Amen. On a attendu que le prince soit tenté de chercher une femme. Amen. Il est venu faire le tour. C'est pas mauvais de faire le tour, frère. Amen. Donc vous pouvez aussi faire le tour. Amen. Vous entrez. Vous, je parle aux célibataires, je sais que vous êtes nombreux ici. Et moi, je suis clair. Sinon, je vais aligner des sœurs ici, frère, bien choisi. Amen. Bah, j'ai déjà vu ça. Je ne serai pas le premier alors. Nous avons des sœurs ici. Vous cherchez ailleurs. Commencez d'abord dans votre propre maison. Amen. Bon, comment tu laisses déjà ta maison? Tu vas chercher ailleurs. Cherche d'abord ici. Si tu ne trouves pas ici, alors fais le tour. Hein? Fais le tour, pas dans le monde. Nous avons des églises sœurs. Amen. Qui croient comme toi. Abraham dit, vous devez croire la même chose. Amen. Pas à peu près, la même chose. Amen. Sinon, ça sera la guerre. Amen. Il t'amène à ça. Fais le tour. Cet homme-là, il a fait le tour pour aller voir. Il a regardé les princesses. Chacun venait. Tu ne me vois pas ici. Et ça, c'est ouvert ici. L'autre, il vient avec le plus. Je regarde. Tu peux prendre celui-là. Tu peux prendre ça, c'est pour toi. Hein, chérie, et tout ceci. Parce qu'il y a des femmes qui cherchent des hommes. Sans dire un mot. Ah, vous pensez que nous, on ne connaît pas? On vous connaît? Il y a des femmes qui cherchent des hommes. Mais ça, c'est une perversion. C'est l'homme qui cherche une femme. Amen. Un homme, c'est l'homme qui va chercher. Non, toi, tu commences déjà à lui montrer. Oh non, viens voir. Il va voir. Oh, c'est très joli. Hein. Il viendra pour ça. Les jours où ça va tomber, c'est terminé. Dites amen à ça. Il a fait le tour. Et ils sont venus là pour dire, voilà, moi, je suis là. Moi, je suis ici. Moi, je suis là. Il a dit, mais non. Ce caractère-là, moi, je ne peux pas mettre ça et mettre dans ma maison. Amen. Parce que même dans la maison, ça sera pareil. Amen. Les amis viendront dans la maison. Et c'est ouvert ici. Mon ami n'est pas là. Non, non. Le budget, c'est toujours là. Uh-huh. Ah, je vous dis la vérité. Ah oui, c'est vrai. Oh, papa n'est pas où? Il dit, non, non, non. Vous êtes en pyjama ouvert ici. Non, papa n'est pas là. Il va venir quand? Et il regarde qu'il est là. Amen, amen. Est-ce que j'ai dit vrai? Il faut qu'on vous dise la vérité. Amen. Tu pars au travail, un autre monsieur entre. Ah! Vous savez cela? Oui. Il entre. Tu viens. La Bible dit, il mange. Hein? Vous connaissez cette profession d'écriture? Elle mange. On lui demande, non, je n'ai rien. Elle essuie la bouche. Merci, ma sœur. Elle essuie quoi? La bouche. Bon, vous voyez, ma dégaine. Je vous dis la vérité. Oui, oui. Elle mange, elle essuie la bouche. Et elle dit que je n'ai rien. Je n'ai rien de mal. On va prouver à mon combat. C'est pourquoi. D'abord la femme ou à genoux. Amen. À genoux. Amen. Il a fait les tours, il a dit, non, tout ça, ça, moi, je ne vois pas. Il a dit, bon, je vais aller un peu prendre l'air derrière là, pour un peu avoir, avec la musique là-bas, ça chauffe la musique. Parce que là, dans cette fête-là, c'est toujours ces musiques-là. Oui. Ces musiques-là, qui chauffent. Et un enfant de Dieu aura des démangeaisons d'écouter ces choses. Amen. Maintenant, vous prenez ça, vous le mettez là. C'est terrible. Terrible. Hein? Il a demandé d'écouter cette musique du monde, de voir les danses du monde qui se trimballent à gauche, à droite. Il a dit non, je vais prendre l'air. Il sort dehors. Oh, il trouve là une petite fille qui est en train de faire la quoi? La vaisselle. Le caractère d'une bonne femme. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Les autres sont en train de danser, toi, tu... Non, non, non. Moi, je m'occupe de ça. D'abord, préparer ceci. Ah, ça te dit rien que les autres dansent, toi, tu es ici. Non, ça ne me fait rien. Non, ça peut passer. Dites amen à ça. Amen. Les choses du monde, ça lui intéresse pas. Amen. Oh non, il y a une nouvelle mode qui est sortie. Ça lui intéresse pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Oh, il y a une nouvelle coiffure qui est sortie avec la gauche ici, l'autre à droite ici. Ça ne lui intéresse pas. Amen, amen. Là, dit voilà.
le caractère. Amen. C'est celle-là qu'il faut prendre. Amen. Vous serez dans la maison. Vous serez... Je vais terminer. Vous serez en paix. Amen. Un frère m'avait dit... Amen. Je suis le pasteur, je vous dis la vérité. C'est mon frère, c'est un frère, mon frère de l'église. Un jour. Parce que vous savez, en tant que papa, on peut vous proposer, ton papa peut te dire, regarde un peu cette famille-là. Hein? Observe un peu de ce côté-là. Peut-être que tu peux trouver quelqu'un de bien. Vois un peu cette fille-là. Il t'amène à ça? Amen. Ah. C'est un droit aussi. Amen. Mais cela ne te donne pas, comme on dit, la permission que, parce que papa a dit, parce que. Non, c'est à toi de décider. Amen. Mais je peux te dire, va un peu voir ça. Va un peu voir de ce côté-ci. Alors le frère est allé voir. Et là, il m'a dit, pasteur, je connais la sœur très bien. Mais je vous dis, pasteur, c'est un frère de notre église. Il m'a dit, pasteur, si je prends cette sœur, je ne serai jamais en paix. Ah, je dis, pourquoi? Elle dit, même le travail, je vais arrêter le travail. Oh. Comment elle va manger? Pourquoi tu me dis ça? Pasteur, je vous dis la vérité. Si je prends cette femme, je pars au travail, mon père sera toujours à la maison. Hé, peut-être quelqu'un est entré à la maison. Je vous dis la vérité. Ah oui. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Il dit non, mais je ne serai pas en paix. Voilà un homme qui réfléchit. Amen. Qui ne regarde pas. Parce que c'est. Non. Et vous devez savoir ça. Amen. Frère. Amen, amen. Et le mariage, ce n'est pas. Le concubinage. Amen. C'est que vous faites là des petites choses là, mais le problème c'est à la maison. Amen. Il sait que je l'ai pris, c'est fini. L'homme, vous le verrez juste peut-être le temps de dormir et c'est tout. Alors faites attention. Amen. Mais mon conseil a toujours été clair. Moi je suis clair, hein? Je suis chez moi. On est chez nous ici, n'est-ce pas? Amen. Je dis ce que je veux. Amen. Par rapport à la parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Trouvez d'abord quelqu'un dans votre maison. S'il n'y en a pas, alors faites le tour. Le tour, on le fait pas n'importe où. Amen. On le fait là où tu sais qu'il croit la même chose. Amen. Lisez l'écriture, vous allez voir. Abraham, quand il envoie Eliezer, hein, vous connaissez l'histoire? Amen. Il dit à Eliezer, Eliezer, viens d'abord me gérer. Tu mets la main sur ma couche. Ma couche. Et jure-moi que tu ne prendras jamais une femme pour mon fils, quelqu'un d'une autre famille, qui est dans ma famille. Amen. Et Eliezer a fait quoi? Agiré. Il est allé chercher la famille de qui? D'Abraham. Là-bas, vous connaissez l'histoire? Amen. Il dit, voilà la famille de mon Seigneur. Et c'est là qu'il est allé trouver une femme. Ils étaient nombreuses, mais il a choisi une. Il t'amène à ça. Mais la femme aussi avait un mot à faire quoi? À dire. Frère, sœur, que aucun ne te trompe, même pas le pasteur. D'ailleurs, le mariage, même pas le papa. Hein, qui te dit, non, j'ai choisi un mari pour toi. Dis papa, cet homme-là est révolu. Je dois aimer cet homme d'abord. Amen. Ne dites pas toujours, comme je l'ai dit, c'est faux. Donc, observez. Papa a dit, mais c'était un bon. Observe. Prends le temps d'observer. Priez. Amen. Ça peut être un bon. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Priez, Dieu te guidera. Amen. Alors, ce matin, je vous ai dit que je ne serai pas long. Je vais arrêter là. Ici. Que l'essentiel pour nous, les croyants, frères, nous voulons que notre Dieu nous réponde. Nous voulons que nos maladies soient guéries. Nous voulons que nous puissions traiter avec Dieu. Soyez d'abord humble. Sois humble. Sois humble. Dites amen à ça. Amen. Soyez humble. L'orgueil de ce monde ne t'amènera nulle part. Sois humble. Sois humble. Amen. Amen. Dieu te bénira. Humilie-toi. Oublie l'orgueil de ce monde. Il faut que le monde sache que moi je suis le plus riche. Et que le monde sache que moi je suis la plus belle. Il faut que le monde sache que je suis le plus beau. Il faut qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi, j'ai une grande église. Il n'y a que moi qui a de ceci ou de cela.
Sois humble. Amen. Si vous voulez traiter, que Dieu traite avec vous. Amen. En dehors de ça, tu peux t'enorgueillir comme tu veux. Dieu ne te regardera même pas. La seule chose, obéis à la parole de Dieu. Aime Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous aimez ses enfants. Amen. Vous aimez ses serviteurs. Amen. Vous obéissez à votre hiérarchie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ah, que ce soit à la maison. Femme, restez à ta place. Amen. Les enfants, chacun à sa place. Amen. Et papa aussi doit rester à sa place. Amen. Dites amen à ça. Amen. Comme l'église. Brebis doit rester à sa place. Le pasteur aussi doit rester à sa place. Amen. Donc moi, je dois garder ma place. Toi aussi, tu dois garder ta place. Amen. Ne soyez pas efféminés. Comme le pasteur ne peut pas être conduit par l'église. Vous savez ça? Pasteur, fais ça. Pasteur, fais ça. Pasteur, fais ça. Non. Fais ça, c'est quoi? Je ne refuse ou pas? Mm-hmm. Mais ce que tu veux me dire, fais, c'est quoi? Oh, c'est ça. Je dois d'abord vérifier. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Je dois d'abord vérifier. Je ne peux pas dire, parce que toi, tu as dit, même si tu payes les dîmes le plus élevé de l'église, faire ici, nous ne venons pas pour ces choses. Amen. De toute façon, votre argent, vous donnez à qui? À Dieu. Amen. Personne ne me paye pour ça. Et je peux dire ça, n'est-ce pas? Amen. C'est la vérité. Mm. Même si tu es comment, c'est toi qui fais les bonnes choses ici. C'est toi qui fais ces choses. Frère, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez un. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons nous lever. Que Dieu vous bénisse. Tu es allé où? Dans quelle catégorie tu te places? Et tu sais, tu te connais, frère. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es, soeur. Tu connais comment tu te comportes vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de ton patron, vis-à-vis de tous les enfants de Dieu. Tu le sais. Et Dieu miséricordieux, comme il est, il nous donne encore cette occasion ce soir. Sois humble, frère. Ne t'endettez pas. Sois humble, ma soeur. Ne t'élève pas plus que ce que tu peux être. Dieu t'aime. Amen. Amen. Nous allons chanter que pendant que chacun va prier, ne priez pas pour que les gens ne voient que tu pries. Ça ne vous servira à rien. Mais la sincérité dans votre cœur. C'est ça la prière. Amen. La prière. Ce n'est pas la multitude et la multiplication des mots. Hein? La prière, ce n'est pas l'éloquence de comment je parle bien français. Ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas évoquer depuis Abraham jusqu'à dans les millénaires. Ce n'est pas ça. La prière, c'est la sincérité qui est sur ton cœur de ce que tu veux que Dieu puisse faire. Amen. Il t'amène à ça. On peut prendre toute une nuit à prier ici, en priant, mais si la sincérité n'est pas dans votre cœur, tu sortiras tel que tu étais entré. Mais si tu es sincère dans ton cœur, alors sache que Dieu répondra à ta prière. Humilie-toi, sois simple, confie-toi à la parole de Dieu, et Dieu réussira. Un petit cœur. J'étais loin, loin de Dieu. Maintenant je Oh,
Amen.